Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de mon parquet de cochamou composé d'un coq froment, trois poules grises, une poule noire et une poule splash. Bon, poules grises, c'est sont foncées et l'une d'elles a un poussin. Je vais laisser couver naturellement. Ils sont dans un parc de 6 mètres sur 7 à peu près. Où il y a encore pas mal de végétation. Donc malgré qu'il fait sec, ça tient. Ils ont un petit poulailler avec du matériel de récupération. Tout simple, hein, en palette. À l'intérieur, à manger, à l'extérieur, à boire. Juste y rajouter bientôt un perchoir. À côté, on a un parc avec deux poules pondeuses, coucou. Elles pondent tous les jours. Pour une famille de 4, 2 poules, c'est largement assez. 1 à 2 œufs par jour, on n'en mange pas tous les jours. C'est suffisant. Elles ont un petit poulailler aussi. Elles ont le même parc. Avec juste une boîte à hérissons en plus. Cet automne, j'essaierai de planter un pommier ou un poirier dans chaque parc, histoire d'avoir des fruits et également de l'ombre pour eux. Là ici, j'ai mis un petit cotinus. Il a bien pris. L'avantage avec ces poules, elles pondent peut-être moins que les rousses. Mais à la fin, ça fait une belle poule pour manger en bouillon. Le perchoir sert à rien, elles vont pas dessus. Elles gaspillent beaucoup, donc je vais faire attention. Les cochamous, c'est une race de combattants nains. Elles ont que le nom de combattants parce que elles combattent pas. Bon, c'est un porc assez spécial, hein, faut aimer. C'est très calme. La mère du poussin qu'on voit manger a fait 2 couvées cette année. Une de 5, une de 4. Mais sur les 4, le chat qu'on voit ici qui surveille en a mangé 3. Là, il est assez grand maintenant celui-là. Et pour l'année prochaine, je saurai qu'il faut préparer quelque chose pour les poussins. Voilà. Celle-là, cette couleur-là, elle est jolie. Splash. Elles sont pas vraiment très belles, elles sont mues, surtout celle-ci. Voilà. Voilà. La clôture 1 mètre, largement suffisant. Un peu de pain, de temps en temps, pas souvent. Surtout de la verdure, de l'espace. Ah, ils bougent. Elles sont à l'affût. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la naissance des pigeons et un peu le potager. Nous sommes le 14 octobre, il ne reste plus grand-chose, mais ça vaut toujours le coup d'œil. À bientôt tout le monde. Salut!